Décédé tragiquement le mardi 15 août dans un accident d'avion, le journaliste Gérard Leclerc était le demi-frère du chanteur, Julien Clerc. Une relation qu'ils ont longtemps gardée à l'écart du public pour la préserver, mais les deux hommes entretenaient, d'après leurs proches, une jolie fraternité et complicité. En 2005, Paul-Alain Leclerc, plus connu sous le pseudonyme de Julien Clerc, chantait « Double enfance ». Une chanson dans laquelle, le grand pudique qu'il est, raconte une partie de son histoire personnelle. La vie d'un enfant dont les parents ont divorcé peu avant ses 2 ans et dont la garde a été confiée à son père. Il grandira et sera élevé avec 5 demi-frères et sœurs et n'aura que 4 ans de différence avec son premier demi-frère, qui n'est autre que Gérard Leclerc, décédé tragiquement le 15 août dans un accident d'avion. Une relation particulière. Une fraternité que les deux hommes ont gardée loin des projecteurs, un goût de la discrétion et de la réserve qui leur a été inculqué par leur père. Même s'ils en parlaient rarement, ils s'aimaient beaucoup, se respectaient énormément et chacun portait une grande admiration à l'autre, affirme Sacha Rhin, journaliste et ami de Julien Clerc dans les colonnes du Parisien. Paul-Alain, c'était le grand frère qui découvrait tout avant moi et qui m'apprenait les choses. On écoutait la radio, le soir, au lit. Il y avait des feuilletons, Arsène Lupin, racontait Gérard Leclerc dans un entretien qu'il avait accordé au journal Le Monde. Un statut de frère aîné que Julien Clerc a toujours semblé prendre très au sérieux et qui lui valait le surnom de « chef des enfants » par sa deuxième maman, Ghislaine Théry. C'est vrai que j'avais un peu ce statut-là. Je ne crois pas l'avoir cherché, explique-t-elle toujours dans les colonnes du Monde. Un véritable pied d'égalité. Je n'ai jamais eu l'impression d'un ascendant de Julien sur son frère. Chacun dans leur métier, ils étaient arrivés au top. Il n'y avait aucune rivalité ni jalousie entre eux, estime Sacha Rhin dans Le Parisien.